facile en match. On va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et le coup d'envoi a donc été donné. Je me demande qui fera la différence dans ce... Romario ! Et le but ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Coquet. La longue passe. Ça sent la frappe. Il était dessus, mais ça n'ira pas plus loin. Messi. La Juventus est vraiment bien rentrée dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. La passe est précise. Et non, hors-jeu. Et dégagement du gardien. Messi, s'il le trouve... Ronaldinho, ça peut faire mal. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Dommage, c'est intercepté. Oh, le duel. Il choisit la profondeur. Ça passe dans l'axe. Quelle fait du bien, cette interception. Gullit. Ronaldinho. La grosse intervention. Gullit qui récupère ce ballon. Voici Romario. Voici Maradona. Quel jaillissement! Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Oh, attention! Il y a peut-être un coup à jouer. Un autre tir. Et c'est au fond. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Quelle intelligence dans la finition. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Et le ballon a franchi la ligne. Messi. Et c'est récupéré facilement. Coup franc pour la Juventus. C'est un peu loin, peut-être, pour la tenter directement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tente sa chance de si loin. C'est vraiment passé près. Mohamed Salah. C'est joué long. Vitolo à droite, dans la profondeur. Le bon jaillissement.
Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ces deux buts d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Vitolo. Van Dijk qui allonge pour Ronaldinho. La passe en profondeur pour Maradona. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Ça peut être extrêmement dangereux. La bonne passe. Saoul. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Peut-être une occasion pour Diego Costa. Dans la profondeur, bien vu. Gullit. Ronaldinho. Gullit. Messi. Mohamed Salah, qui a donc offert un but à son coéquipier. Ronaldinho. Savic, qui cherche la profondeur. Messi. Voici Maradona. Bien tenté. Et il perd l'équilibre. Ça joue long, vers l'avant. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. C'est joué dans la profondeur. Ça aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Oh, ça c'est bien parti, ça peut faire mal. Il peut y aller. Romario. Et c'est le but. 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Quelle grosse frappe, et pourtant il était loin. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir était parfait. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Il allonge vers l'avant, le bon dribble. Messi. Voici Romario. Voici Maradona. Partez. Vitolo. Le jeu repart vers la droite. Arias. Ferreira Carrasco. Partez. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. Les adversaires savent que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. C'est une tactique qui marche. Allez, c'est dangereux. Et c'est un but. Oh là, ça tourne carrément à l'humiliation. Voilà un one-man show tout simplement impressionnant. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Et c'est donc un changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue.
Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Aucune contestation après cette victoire. Une véritable démonstration offensive aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt. Salut. Merci à vous, mon cher Grégoire. Your energy.